J'étais couché où je reçois un appel. Que haï, tu dors. J'ai dit oui, je dors. On dit lève-toi. Si tu dors, faut te lever. Ils ont fait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. J'ai dit aïe. Cérémonie, moi, il a attendu comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis parti regarder sur Google pour voir c'est quand. Ça peut pas se passer derrière moi. Donc voici comment j'ai sauté du lit. Je vais sur Google, je vais sur TikTok, je vais sur Facebook, je vais partout pour voir. Mais c'est déjà fini. Quand ils m'ont dit que lève-toi, c'est déjà fini. Toi aussi, Erika, pourquoi tu vas là? Aïe. C'est quand c'est fini maintenant, tu me dis que tu m'envoies les petites vidéos pour dire que c'est pas ça. Donc il ne faut pas me voir maintenant en train de partir. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais venir analyser, donner mon avis encore une fois sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, parce que j'avais fait la dernière fois, mais ça c'était quand les gens étaient là à un voter au sujet de Aya Nakamura qui devait prester. Donc maintenant, je viens maintenant parler de comment de la vraie cérémonie maintenant. Donc abonnez-vous. Ceux qui me découvrent, c'est Dove. Encore une fois, moi je suis un jeune youtubeur qui parle de tout ce qui est audiovisuel. Donc je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. La vidéo sera substituée en trois points. On va parler d'abord du décor, ensuite des pays africains que j'ai vus, qui nous ont représentés. Et puis enfin, on va parler des prestations des artistes. La partie même que moi, Gbassé, j'aime, j'adore. C'est ça qui est là. Bankebo, assez. Il y a Bankebo à clic. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On est lancé. Il n'y a pas de temps. Oh Dieu, là, on n'est pas venu pour du rouge. S'il y a quelque chose sur lequel Macron a mis là, ah, c'est le décor. Macron, nous, tu es fort même. Et moi, nous, s'il y a quelque chose pour lequel on ne peut pas te reprocher quelque chose là, c'est l'effort que tu as fait pour valoriser la France, pour donner encore plus de prestige à la France. Hein? À l'extérieur. Faut pas voir maintenant les feux ici. Piano qui s'enflamme ici. Faut pas voir les lumières ici, là-bas. Faut pas voir. Yeah, faut pas voir les danseurs. Macron. Non. Félicitations à toi. J'ai bien aimé. Tout était beau. Faut pas voir les habits. Tout était magnifique. Mais par contre, il y a des choses chez vous que j'ai retrouvées dans ma décoration. Et ça fait deux fois. Hein? Vous avez fait avec la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, vous faites avec les Jeux Olympiques. À un moment donné, il va falloir nous payer pour les droits d'auteur. À un moment donné, il va falloir décaisser pour les droits d'auteur. Payer, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas nous plagier toujours comme ça. On peut copier le modèle de son ami quand de A à Z. C'est nous, on a envoyé le concept ça là. Si vous voulez prendre le concept, avec ici, nous au moins, qui dit force, dit Côte d'Ivoire. On part, on part, dit que tu ne vas pas prendre. Non, on est gentil, mais ne faites pas ça. Non, hein. Je vais parler à présent des pays qui nous ont représentés. J'ai vu le Gabon et la Côte d'Ivoire. Je vais prendre le Gabon d'abord pour arriver sur mes parents. Voilà. Vous, le peuple gabonais. C'est quelle pirogue ça? Même pirogue que nos parents, nos arrière-parents prenaient partie pêcher là. C'était bien que ça. C'est quelle pirogue sur laquelle ils vous ont mis comme ça là? Ah non, ça ne donnait pas. Hein. C'était pas bien. Vous aurez pu faire quand même un effort. Parce que ça, la même moment, il y a fait peur pour vous me dire, aïe. Mais et si pirogue là, c'est renversé? Pirogue là même n'est pas lourd. Un petit vent d'être fou, vous êtes en l'eau. Un petit vent, vous êtes en l'eau. Il y avait aussi la Côte d'Ivoire, mon très cher pays. Vous, quand j'ai vu l'image que vous avez pris en famille, là, l'image de famille que j'ai vue. Ça se promenait partout sur les réseaux. Il dit, mais ça c'est qui? Je ne savais pas que c'était vous qu'on allait voir à l'écran. C'est quel modèle de pagne? C'est quelle pagne ça là même? La Côte d'Ivoire a beaucoup de pagne. Ça vous plaît vous-même? Ce que vous avez fait là, ça vous plaît? Votre style là, son nom, vous avez zaillé. Notre soft power est quand même développé à l'extérieur. Vous ne pouvez pas nous servir ça là comme ça. Et puis maintenant, ça vous dit rien, vous êtes assis là. Nous, tu sais là, on peut pas manger ça aussi. On a beaucoup de pagnes traditionnelles dans le pays qui sont jolies quand même. Ça, c'était quoi? Peut-être que vous avez gagné aussi. De toute façon, vous êtes venu là, il y a que vous avez gagné aussi. Hein. J'espère bien pour vous que vous avez gagné. On va vous soutenir comme d'habitude, mais vous aussi gagnez. On va passer à la prestation des artistes, ce que tout le monde attendait. Donc, il y a eu là Fabien Slimane, Philippe Catherine, Lady Gaga, Céline Dion, tout ça là. Voilà, je vais commencer par
Philippe Catherine. Pour cacher un revolver quand on est tout nu. Ouh, je sais où vous pensez, mais c'est pas. Qui est? Moi, quand j'ai vu, je me suis demandé, attendez, mais je suis dans quoi? C'est film ou bien? C'est montage ou bien? C'est vrai, vrai, vrai. Mais c'était quoi tout ça là même? Qui a eu cette idée là? Taguez-moi la personne. Mais toi, tu es mauvais. Mais toi, tu es. Ah, mais tu es méchant, hein? C'était pas beau du tout. C'était vraiment pas beau. C'était vilain. C'était vilain. Plus jamais ça. Never, never again. Ah, mais toi, tu étais méchant. Lara Fabian et Slimane. Mon désespoir, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Franchement, ils ont assuré. Slimane, il ne déçoit jamais. Lara Fabian aussi, c'est une grande voix de France. Et Slimane, lui seul. Mais c'est toi maintenant, là. C'est toi maintenant, il a récupéré. Toi. Toi, Slimane. Toi. Je sais pas, il y avait même pas 3 jours, 2 jours. J'avais vu une de tes stories où tu disais que ah, tu étais malade, donc tu allais annuler un concert quelque part dans une ville là-bas. Que toi, depuis le début de ta carrière, toi, tu n'as jamais annulé de concert. Que c'est aujourd'hui, toi, tu as venu annuler le concert. 2 jours plus tard, tu te retrouves à la cérémonie des JO là. Tu vois, tu fais quoi là-bas? Toi, tu n'as pas dit que ton docteur dit de te reposer. Ou bien ton docteur disait de te reposer pour partir faire les JO. Parce qu'il ne comprend pas. Moi, il dit que les amis, l'argent peut tout dans la vie. L'argent peut tout dans la vie. Quand tu es couché, tu as vu qu'il y a l'un quelque part pour moi. Si tu n'as pas, tu es malade, non? Tu as guéri. Guérison, c'est quoi? Il a dit, je vois Slimane, il dit, lui, il n'est pas malade. En tout cas, bravo à vous deux. Bravo. Maintenant aussi, ton affaire où, quand tu chantes une chanson de mon amour, là, je t'aime, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu aimes toujours t'éloigner du micro? Tu aimes bien ça. Tu as fait ça Eurovision. Ça nous a plu. Toujours quand tu as chanté, je sens la même, tu as fait ça, il y a quoi? Je t'aime bien, mais change un peu de disque. Lady Gaga, elle aime la France. Elle a notre de plusieurs manières. Dans sa chanson où elle dit je t'en amour et je veux te référence. Oh oh oh. Ça là. Elle a chanté en français du dos. Et puis en plus, elle parle un peu quand même bien français comparé à ses collègues stars américaines. Mon tout comme plein des oiseaux, des animaux. Mon tout comme voilà. Mais les gens encore sont venus qu'on ne comprend rien. Vous ne comprenez rien. Et puis quoi? Quand vous chantez les chansons en anglais là, c'est tout, vous comprenez? Si aujourd'hui, une américaine vient chanter une chanson en français, c'est pas mieux pour vous. C'est la langue française qui s'en va. Quand les Américains vont regarder ça là, ils vont venir en France, c'est pas mieux pour vous. Go, on ne comprend rien, on ne comprend rien. Si tu veux comprendre, faut pas regarder la version originale. Va regarder la version originale. On n'est pas venu pour comprendre. Ça c'est du marketing. On est venu pour se faire vendre. Go, on ne comprend rien. Toi tu t'écroules ça. Tu t'écroules au coup de maths ou quoi? Tu voulais comprendre quoi là? La théorie de Pythagore? Le théorème de Thalès. Et ça, tu voulais comprendre. Céline Dion. Vraiment, moi, j'étais étonné de voir Céline Dion là-bas. Voilà, ça, là, son nom, je suis sérieux. Moi, j'étais étonné de voir Céline Dion là-bas. Aux dernières nouvelles sur Céline Dion, elle était grave malade. Elle pouvait plus chanter. Mais dans quel coup, tanti, tu as atterri dans la fin des JO là? Il croit pour fermer la cérémonie. Non, vraiment, quand il regardait, il avait peur. Il dit, aïe, et s'il allait tomber maintenant? Et s'il allait tomber? Aux dernières nouvelles, c'est parce que on lui aurait donné 2 millions pour venir prester une chanson. Même moi, si elle me donne. Donnez 500 euros sur moi. Donnez 500 euros sur moi. Quand je vous dis que l'argent motive là, c'est pas ça qui est là. Ils ont donné 2 millions à Céline Dion. C'est qu'ils ont donné combien à Slimane?
Et Slimane n'est pas à la dimension internationale de Céline Dion. Donc j'imagine que peut-être 2 millions divisé par 4, ça fait 500 000 euros. Moitié des millions d'euros. Il a refusé pourquoi? Tu as bien fait même. Slimane, tu avais bien fait. Je suis fier de vous. Mais toi, Céline Dion, pardon. Hein? Pardon, on a envie de te voir encore sur scène. Il faut laisser l'argent là. Toi, tu es déjà millionnaire. Hein? Faut laisser l'argent là. Voilà. Les Slimane là, vont se débrouiller avec. Mais toi, tu es déjà millionnaire. Maintenant, pourquoi il n'y a pas vu Gims là-bas même? Gims, il est attendant aussi. Hein? Quand on dit qu'un artiste soit sa voix, on dit Gims. Et puis, alors là, tu cartonnes, non? Il est attendant aussi. On va passer à la reine de France à présent. Celle-là même qui a la couronne de France sur sa tête. Elle marche la couronne. La reine de France est là. Vous avez vu dans Kirikou qu'on dit que Karaba, elle arrive, elle approche. Pour Aya, c'est Aya, elle arrive, elle approche. Voici Aya. Non, meilleure prestation c'est elle, selon moi, meilleure prestation c'est elle parce qu'elle était grave attendue. Aya Nakamura a repris du Charles Aznavour, on s'attendait à du Edith Piaf, mais elle n'a jamais dit qu'elle allait interpréter du Edith Piaf. Donc Charles Aznavour, c'était wow. Elle a mélangé le Charles Aznavour là à ses chansons, voilà. Dans la langue de Olia. C'est la partie où elle tourne sa tête partout, partout. C'est ça même qui m'a plu. Dans la langue de Olia. Aya Nakamura. Tu es la reine de France que tu penses être. Faut pas voir cette déchirée. Le style même. Le doré là, comment ça te va? Comment ça te va? En si peu de temps, tu as pu réaliser tellement de trucs que des chanteurs français n'ont jamais fait. Que moi-même, je sais pas, mais qui es-tu? Qui es-tu, belle demoiselle? Faut pas la voir danser avec la garde républicaine. C'est ça, non? Maintenant, celle-là, ils l'ont payé combien? Aïe, on veut, faut venir donner un peu les cachets, puis nous on parle bien de toi là. Tu vas nous gérer un peu quoi. Voilà, hein. faut ceci. Voilà. Maintenant les racistes là sont où? Ceux qui ne voulaient pas faire Aya Nakamura chante là, ils sont où ça? Ben elle est lourde. Quand Macron même a publié sa prestation sur TikTok, Attal, Gabriel Attal a publié sa prestation sur TikTok. Vous, un président, vous avez fait ça pour vous? Non. Vous avez vu comment on tout laisse, non? Par contre, Aya Nakamura, j'ai pas trop aimé le fait que je chante en playback. Fallait faire que pour Céline Dion. Céline Dion a chanté. Aura. Elle a chanté. On a vu. On a entendu sa voix. Mais tu devais, pour plus clouer le bec à tes détracteurs, tu devais encore venir chanter en. Aïe. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pas été ennuyeux. J'espère que j'ai pas été méchant. J'ai juste dit, donner mon avis. Dans la politesse, le respect et la courtoisie. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, dont Instagram ou Ivan. Voilà, bisous.